Le nouveau rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. J'ai eu la chance de vivre avec mes deux parents, c'est-à-dire mon père et ma mère. Je n'ai jamais vu débarquer l'ami intime de mon père ou l'ami intime de ma mère. Bon, un matin, une génération qui est née, bim! On dit c'est possible, tu es marié et puis ton mari, lui, il a une amie intime ou la femme a une amie intime. Bon, moi je pense que ce n'est pas possible. Je ne sais pas ce que suspect pense. Mais pour savoir si c'est possible ou pas, on vous a dit quoi? Magnifique introduction de la belle Brazing Girl. Je sais que tu as tué l'intro, le sujet te parle, n'est-ce pas? Oui, bon, quand tu n'es pas marié, tu te tais. Non, mais donc, ça arrive. Ça parle un peu, mais ça bon. Arrive, n'est-ce pas? Parce que je sais que tu es en bon train. Oui, ça arrive. Pourquoi ta voix diminue? Ma voix n'a pas diminué. Ah, ça arrive. Sujet d'aujourd'hui. Est-ce que étant marié, c'est possible d'avoir un ami intime du sexe opposé? Bon, d'entrée de jeu, je ne donne pas souvent mon avis dans cette émission directement. Mais d'entrée de jeu, là, c'est pas possible. Il ne te suffit pas. Toi, tu es ma femme. On est ensemble, là. Tu veux expliquer quoi, à qui, dans quoi, quelle position? Ah. Moi, honnêtement, j'attends mes invités aujourd'hui parce que moi-même, ici, dans le sujet, j'ai un invité aujourd'hui. On n'est jamais seul pour débattre de nos sujets. Premier invité aujourd'hui, on a une star qui nous a bien fait l'honneur de sa présence. Mm-hmm. C'est Ange Freddy qui va débattre avec nous. Applaudissements pour Ange Freddy. C'est pas petit quelqu'un quand même. Voilà. Alors, très, très content de t'avoir avec nous, frangin. C'est un honneur, c'est un plaisir. Parce que de tous les web humoristes, tu es celui qui a... Je ne sais pas comment dire, qui fait des millions de vues à chaque vidéo. Vraiment, je pense que toi, la main de Dieu est dans ton affaire. Applaudissements pour Ange Freddy. Notre deuxième invité nous vient d'Angers. Elle s'appelle Awo Raissa. On applaudit pour elle, s'il vous plaît. Ah, quand même. Il faut. Applaudissements. Quand même. Elle mérite, très belle demoiselle. Elle mérite. Voilà, quand même. On a des charmantes invités comme ça. Pougui, la prochaine. Okay. Merci, j'ai vu son visage. Alors, troisième invité, elle s'appelle Bamba André. Elle nous vient d'Angers, elle est entrepreneur. Applaudissements pour elle. Non, je viens. Voilà. Très bien, comme ça. Il faut. Dans le syndicat, on est galant. Voilà, tout doucement. Je n'ai pas bien été tiré la chaise, t'es trop vu, Brazing. Bienvenue à nos invités. On est sur le plateau de La Réunion, une émission détente. Voilà, on se... ambiance maison, on se tutoie. C'est une réunion, on donne le sujet, on débat et on trouve des solutions. Brazing, fondamentalement, quel est ton avis sur la question? Le sexe opposé, ton chéri dit qu'il a une amie. C'est une amie sur le côté, à qui il se confie. Intime. Qu'est-ce que toi tu prends? Comment tu fais ça? Non, pour moi, ça, il n'y avait pas ça. C'est pas possible. Non, il ne suis pas. Mais c'est le mariage, ta confiance, c'est la confiance. Non. C'est-à-dire qu'on est mariés. Ouais. Je peux me confier à lui, il peut se confier à moi. Mais c'est toi le problème. Non, moi là, j'ai dit, je peux me confier à mon mari se confie à moi. J'ai dit. Écoute-moi, attends, j'ai parlé doucement. Je ne suis pas fâchée. L'émission n'a pas recommencé. On dit, l'homme quittera son père et sa mère. Très belle phrase. Il n'y a pas à faire d'assaut. Il n'y a pas à faire d'assaut des frères et sœurs dans la Bible. Dieu même n'a pas dit qu'on quittera sa sœur ou bien son frère ou son assaut. Qui suis-je, moi, pour aller à l'encontre de ce que Dieu dit? On va sur vous, Brésil. C'est pas possible. On va demander à notre star, Ange Freddy. Donc, grand 1. Et il étudiait sans fête à la maison. Avant de venir, non. Ouais, d'accord. Mais non, sérieusement. On est toi. Je pense, personnellement, je pense que c'est pas normal, mais c'est pas impossible. Ça, c'est la philosophie. Allons-y en profondeur maintenant. Je m'explique.
Personnellement, je trouve que ce n'est pas normal parce que le mari ou la femme, c'est le confident ou la confidente. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est... Après aussi, il faut mériter le fait d'être confident s'il y a la communication. Dès que vous entendez, il n'y a pas de souci. Ça, j'ai aussi mais vous ne pouvez pas vous entendre, il ne peut pas avoir une bonne communication de vous. Et puis, tu vas me dire que tu as un confident ou bien je t'ai dit que j'ai une confidente. Parce que même si vous êtes copain, copine, que c'est vraiment c'est une histoire sérieuse, vous devez d'être confident parce que vous faites un. Mm-hmm. Et si vous êtes marié, là, c'est le summum même de la relation. Il n'y a pas à avoir un confident ailleurs. Parce que je ne parle même pas du confident... Je ne parle même pas du confident... De sexe opposé. De sexe opposé ou du sexe... Du confident en général. Du même, confident en général. Mm-hmm. Normalement, ton mari ou ta femme se doit d'être ton confident ou ta confidente. Raïssa, sur la question, quel est ton ressenti? Est-ce que pour toi, c'est possible, étant marié, ton chéri, il a une amie intime? C'est totalement possible. Ah, carrément, c'est totalement possible. Totalement possible. Tu entends la réaction du public? D'accord. C'est totalement possible pour toi. Et développe-nous ça. Moi, je pense que ceux qui disent que ce n'est pas possible de base n'ont pas confiance en leur partenaire. Ah! Je ne me dis pas en anglais, la palais. Et non, attends, avant de dire, attends. Non, j'ai pas dit que c'est impossible. J'ai respiré. C'est pas normal. Alors. Mais c'est pas impossible. Bon, moi, je pense qu'elle met ça dans le même lot. D'accord. Donc. Toi, c'est un problème de confiance. Oui, exactement. Donc, toi, si tu as confiance, déjà, est-ce que tu es marié? Non. N'est pas encore marié. N'est pas dans le. On parle, tu n'es pas dans le bain. Mais tu es en démonstration, d'accord. Donc, toi tout se base sur la confiance. Développe-nous ça, s'il te plaît. Parce que moi, je me dis quoi? Que déjà, si tu n'as pas confiance en ton partenaire, tu peux imaginer que directement, il peut se passer un truc entre lui et son ami intime. D'accord. Donc, toi, tu estimes que si tu es marié, c'est que le mariage se base sur la confiance. Exactement. Donc, si tu es marié, ça veut dire que tu as confiance. Donc, ça ne devrait pas poser de problème que ton chéri ait une amie intime dans le modèle de Brésilien. Pas des amis de cafards qui disent non, une amie intime comme Brésilien, comme ça, ça ne te gênerait pas. Hein? Même si moi, mon chéri est ami avec Miss Monde. Waouh! Pas me déranger. Applaudissements pour elle. Respire. Raïssa dit, même si son chéri a mis à Miss Monde, elle a confiance en son chéri. Mais tu sais, c'est pas mal vu sur ce plan-là. C'est pas mal vu. Non, le problème en tant que tel, c'est vrai qu'il y a un problème de confiance, mais ce n'est pas que le problème de confiance. Qu'est-ce qui fait que ton homme ne peut pas se confier à toi? Mais c'est aussi ça le problème. Il ne se confie pas à moi, il se confie. Mais souvent, il a besoin de parler à quelqu'un d'autre que moi. Donc, son ami intime. Son ami intime, par exemple. Par exemple, si ton chéri et toi, vous êtes en palabre. Ça, c'est un bon exemple, ça. L'exemple, il est bienvenu. Mais si il veut expliquer la situation à quelqu'un, il ne peut pas venir t'en parler à toi. Mais le chéri en question, il habite dans la brousse, il n'a pas de parents, il n'a pas de... Non, mais merci. Je ne suis pas contre toi, honnêtement, je suis avec toi. Mais la carte, vous êtes en parlant, il n'a plus quelqu'un à qui parler là vraiment. Il y a sa sœur, il y a sa tante, il y a sa cousine, il y a son ami garçon. Donc c'est quoi le truc? Explique-nous. Moi, je me dis, dans un couple, quand on parle aux parents, c'est lorsque l'histoire va trop loin. Okay. Donc, si c'est juste une petite histoire, on peut en parler au... À l'ami, à l'ami, c'est une petite histoire. Pourquoi on ne peut pas régler ça, vous voyez? À l'ami. Si elle est si petite que ça. Attends. Si elle est si petite que ça, pourquoi on ne peut pas régler ça, vous voyez? Pourquoi tu n'agresses pas? Raïssa, respire. Peut-être que le chéri en question, il a essayé de régler l'histoire. Mais nous, les femmes, on a tellement gros cœur. Ça, c'est vrai. Ça, donc, c'est il vrai. Préfère aller parler à son ami. Raïssa, ce que tu dis, c'est la vérité. Je pense qu'il ne faut pas l'agresser. Non, attends. Donc, son ami, il y a quoi? Moi, je me dis... Libérer la dame. Moi, je me dis, pour comprendre une femme, il faut demander conseil à une autre femme, tout simplement. Pour comprendre une femme, il faut demander conseil, à une autre femme. Ça, c'est la phrase de Raïssa. On est bien. Notre autre invité est là. La question est sur la table. Ici, on se tutoie tranquillement, c'est bonne ambiance. Quel est ton avis sur cette question-là? Femme, déjà, tu es mariée? Non. Mais au-delà, la démonstration aussi, on est dans l'irréel. Mais on veut savoir.
Quelle est ta position? D'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Pas d'accord? Oui. Tu n'es pas d'accord parce que... Bon. Mais, et son alibi de la confiance, pourquoi ça ne te prend pas? Bon, je peux dire, par rapport à son alibi, mm-hmm. c'est possible. D'accord. Voilà. Moi, il y a quelques années en arrière, je pensais comme elle. Mm-hmm. Ah ouais? Voilà. Mais avec l'expérience, okay. j'ai compris que ce n'est pas normal que ton partenaire soit ami, intime avec le sexe opposé. Donc, il y a une expérience, donc on a un témoignage. Au début, c'était compliqué, voilà. mais tu as accepté quand même bon, qu'il ait une au début, ce n'était pas compliqué. Bon, je trouvais que c'était normal mm-hmm. pour un homme d'avoir son ami intime, le sexe opposé. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a que deux sexes. Ouais. Donc, ça aussi, il passe pour mener un singe. Voilà, donc... on est là. Il est malade à moi. Donc, étant à l'école, c'est normal que tu aies des amis femmes. Comme garçon. Pardon, faut pas nous jeter ça comme ça. Comment tu vas pas à pas, comment tu découvres, comment tu soupçonnes, comment tu le suspectes d'abord? Suspect. Oui, tu vois. D'abord, c'est un ami à lui qui me parle en parabole. Mais pourquoi voilà. pour ça? Non, ça, il se parle, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Chacun a qu'à manger de son pain. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un ami qui vient... L'ami en question, il est fort de toi. Non, c'est ce pas du tout. Qu'est-ce que tu en sais? Non. Lui vient te dire ça pourquoi? C'est toi ton ami ou c'est lui son ami? C'est lui son c'est ami. C'est lui son ami d'abord qui est devenu notre ami. Ok. Voilà. D'accord. De toute façon, il a une amie intime aussi, on va pas attendre. Donc l'ami vient te dire ah. Non, l'ami il a essayé de me dire de vraiment faire attention. Ok. Parce que je soupçonnais une autre fille au fait. Ok. Donc dans les débats, il m'a dit non que tu. Tu vois c'est sur la mauvaise voie. La mauvaise que voie. La personne que tu dois soupçonner est très proche de toi. Il t'a laissé ça comme voilà. ça. Donc, quand il a dit, mais très proche de moi, c'est qui? Donc, moi, j'ai commencé à mener mes enquêtes. D'accord. Et comment, voilà. comment tu découvres? Bon, je découvre dans le sur téléphone. Laissez le téléphone, c'est déjà. Tu sais, souvent, téléphone, là, laissez. C'est au moins. En tout cas, moi, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Pardon, donc, tu prends le téléphone, tu sais quoi, il dormait, comment tu prends le téléphone? Bon, il ne dormait pas. Il était malade. Il y a des soucis. Tu as profité de ce temps. Il était malade. Il était malade, donc je devais aller lui rendre visite. Mm-hmm. Et quand je suis arrivée, la fille en question a appelé. Mm-hmm. On dit qu'elle venait lui rendre visite. Ok. Donc, quand il a commencé à communiquer avec la fille, il s'est déplacé. T'as pas raison. Voilà. Donc, j'avais ma cousine qui soupçonnait mmh. déjà qu'il y avait une relation entre les deux. Mmh. Donc, elle m'a dit, quand je t'ai dit que la fille dont on parle là, c'est cette fille-là, il a dit non, elle est trop chrétienne. Et puis, nous sommes dans chrétienne. Le même mouvement. Ouais. Elle est trop chrétienne. La chrétienne, elle est là. Et puis, nous sommes dans le même mouvement à l'église, on se fréquente. Bon, vraiment. Tu penses pas? Non, faut pas exagérer. Elle dit d'accord. Donc, la fille est venue, qu'elle m'a trouvée. Au fait, elle n'a pas pu ce jour-là, je ne sais pas, mais elle n'a pas pu se ressaisir. Elle est venue te trouver. Voilà. Elle m'a trouvée là, elle n'a pas pu se contrôler. Parce que quand elle est venue s'assise, on a échangé, elle a demandé à partir. Donc, elle a exigé qu'il l'accompagne, en fait. Elle a exigé. Voilà. Devant toi. Devant moi, le malade en question. Voilà. Donc, d'accord. Donc, elle a exigé qu'il l'accompagne mm-hmm. avec un ton. Bon. Oh, c'est son gars. Voilà. Femme, on se connaît. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je me suis dit, ah, mais pourquoi elle peut. Comment elle peut parler, comme ça? Bon, moi, je n'ai rien dit. Mm-hmm. Donc, je voulais voir s'il allait l'accompagner ou pas. Il n'est pas allé l'accompagner. Ah, il n'est pas allé l'accompagner. Et elle a dit, donc, comme ça, tu ne m'accompagnes pas, quoi. D'accord. Ah, c'est ce qu'elle a dit. Voilà. Donc, elle a dit ça en même temps. Il me suis dit, c'est que. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui elle se passe. Elle sait ce qu'elle voilà. Donc, comme ça, tu ne m'accompagnes pas. Donc, elle est partie. Quand il s'est levé, j'ai pris son téléphone. Et c'est comme ça que j'ai vu le message. Elle a dit, avant de venir, elle avait envoyé un message. Qui disait qu'elle venait, qu'elle ne voulait pas me trouver là. Sérieusement? Toi-même, la femme, elle ne voulait pas te trouver là. Voilà. Donc, ça veut dire qu'elle n'acceptait plus d'être à côté, en fait. Ouais, elle voulait ta voilà. place. Elle voulait maintenant. Merci. Mais attends, moi, je veux savoir. Il te l'a présenté comme son ami intime. Oui, comme son ami.
Ou bien, toi, tu sais qu'au début, ils étaient amis et puis c'est au fur et à mesure que c'est arrivé. Ou bien, il t'a piégé depuis le départ. Parce qu'il peut venir non, c'est, sa deuxième ah, c'est go, au, non, non, c'est au fur et à mesure que ça arrive. Parce que la fille en question, elle-même, elle avait son petit ami. D'accord. Donc, je pense que c'est quand elle s'est séparée de son petit ami, elle s'est plus rapprochée de lui parce qu'elle se confiait à lui. Ouais, c'est lui qui la soutenait. Moi-même, je lui parlais aussi. Donc, je pense que dans ils se sont reconfinés. D'accord. Voilà. C'est trop chaud, c'est trop chaud. Petite pause, on va à la pub et on revient. À tout à l'heure. On est de retour sur le plateau de La Réunion. Le sujet, est-ce qu'étant marié, c'est possible d'avoir un ami intime du sexe opposé? C'est le sujet d'aujourd'hui. On vient d'entendre un témoignage. Bamba André. Voilà, un témoignage malheureux. Oui, voilà, très malheureux. Larry. Il a abusé de sa confiance. Non, mais je voulais poser une question. Comment tu fais? Il y a eu une confrontation, évidemment. Donc, tu l'as confronté. Comment ça s'est passé? Pardon, explique un peu, pimente le truc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu une confrontation au téléphone. OK. Voilà, je l'ai appelé simplement pour lui demander et elle s'est emportée. Tu as appelé l'ami intime? Tu as souhaité moi, je parlais de l'homme. Non. Même. Moi, je parlais de ton homme. Moi, je l'ai appelé elle-même directement. Et qu'elle a commencé à bégayer? Non, elle a dit non, c'est impossible. Et tu te fais des illusions. Voilà, tu te fais des illusions. C'est toi aussi, il ne peut pas faire ça, ceci, cela. Je dis, OK. Lâche-moi. Donc, comme je ne le concernais, je ne lui ai pas demandé. Elle est partie lui expliquer. OK, OK. Voilà. Il ne faut pas donner tout le beret. Attends d'abord. Il faut pas donner tout le beret. Tu vas nous expliquer un peu. Derrière moi, il y a un problème. Tu sautes ton chéri pour aller appeler la gauche. Voilà, ça, c'est le ça premier aussi, problème. Hein. Mais tu vas nous expliquer ça. Quand je pourrais dire, toi, c'est pas possible que ta chérie ait un ami intime du sexe opposé. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu crains en dehors de toi? Il y a une affaire. On a parlé de confiance, mais qu'est-ce que tu crains? Pourquoi tu veux pas? Non, le problème, c'est qu'actuellement, là, je ne sais pas pourquoi est-ce que. Au cas où elle te dit qu'elle a un ami intime, par exemple. Si elle me dit qu'elle a un ami intime, c'est que la communication, je trouve que la communication ne peut-être passe plus entre elle entre et moi. Elle. Parce que sinon, s'il y a une bonne communication qu'on s'entend, elle ne va même pas avoir l'envie d'avoir une autre, ouais, une autre confidence. Ce que je veux faire comprendre. C'est qu'il y a un problème. Ce que tu as dit, si jamais ce discours-là vient sur la table, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de toi, ta relation. La première des choses, je me remets en question. D'accord. Après, très bien. On se parle. Très bien. Très on bien. Se parle. C'est terre à terre, on dit. C'est comme ça. Chaque fois, c'est la communication. Moi, je pense que c'est déjà bienvenu. Hein. Ah, ah, ça. Tu as écouté la vie de tout le monde. Tu as écouté le témoignage. Qu'est-ce que toi, ça te dit? Toi, tu trouves toujours que c'est une affaire de confiance? Oui. Ah ouais? Que même si... Parce que ce qu'il a dit là, c'est... Moi, je trouve qu'il a levé un bon point. Si, est-ce que tu ne penses pas que si ton chéri a besoin de se confier à une autre... C'est qu'entre vous deux, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut régler, il y a quelqu'un qui doit se remettre en question? Non, pas forcément. Parce qu'en fait, de base, moi, je me dis qu'on ne prend pas n'importe qui pour faire son ami intime quand même. Ouais, obligé. N'importe qui. Okay. Donc... Je me dis que moi, mon chéri, c'est peut-être quelqu'un qu'il connaît depuis longtemps, en fait. Mais donc, cette fille-là... Qu'est-ce qu'elle peut lui apporter que toi, tu ne peux pas lui apporter Qu'est-ce qu'elle peut lui apporter de plus? Que toi, tu peux pas... Tu es censé être sa confidente. Qu'est-ce qu'elle est là que toi, tu n'as pas? Et puis, en fait, j'ai l'impression que Raïssa même se sous-estime. Tu vois un peu dans ce côté... Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? Pourquoi une autre va venir être la confidente pendant que toi, Raïssa, tu es là? Qu'est-ce qu'elle peut apporter que toi, tu n'as pas? C'est ce qu'on veut savoir. Qu'est-ce qu'elle peut apporter? J'ai tout. Tu as tout, mais c'est qu'il reste quoi? Ou bien, est-ce que c'est pas un aveu un peu de faiblesse de dire que tu peux pas lutter contre ton chéri qui vient? Parce que moi, je peux dire que tu peux te faire escroquer facilement. Tu vois, il peut te présenter sa petite go d'à côté comme étant son ami intime, la bien se confier. Et puis, ils sont se confier dans les hôtels, tu vois. En fait, moi, je me dis que... Si moi, mon homme veut me tromper, il n'a pas besoin d'envoyer une fille pour me dire non, c'est ma meilleure amie, il me trompe avec et elle. Et comment il doit faire alors? Il peut me tromper, je ne sais pas, il sort, il va me tromper. Il n'a pas fait. Mais donc... peut-être qu'il respecte le scénario, tu vois. C'est tellement il t'aime, il veut créer un scénario pour te donner. Ou bien, toi, tu ne. D'accord. Donc, toi, tu penses que les personnes qui empêchent se trompent? Oui. Celles qui n'ont pas confiance en eux-mêmes, en leur couple. Et si ça arrive justement, et si justement, il arrive qu'un jour tu te trompes et que ton chéri que tu laisses aimer, pas aimer, mais se confier à une autre, ça se transforme en
une confidence comme ça de... C'est André, non? André. Mm-hmm. Moi, je me dis que si c'est arrivé, ça arrive. En fait, tu es là, Abidjan. Attends, là, il s'en vient d'où même. Tu es là. C'est qui est arrivé, arrivé. D'accord. Non, mais c'est ça, en fait, parce que... C'est pas pour dénigrer les hommes, mais tous les hommes sont pareils, en fait. Donc, je me dis, attends, si c'est arrivé... Attends, tu dis quoi? Tous les sont pareils. Donc, même si... Tous les hommes sont pareils. Non, non, non. Tu es en train d'aller sur un autre truc. Bon, à supposer même que les hommes soient pareils. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas donner la possibilité. Pendant que toi, tu es là, tu es une femme. Tu as tout. Et puis, ça se voit que tu es une femme. Ça ne veut pas dire, en fait, qu'il ne se confie pas à moi. Mais s'il se confie à toi déjà et qu'il a des amis du même sexe, pourquoi est-ce qu'il va aller? C'est-à-dire que prends-toi tes problèmes. Si c'est sa cousine, il peut avoir une cousine dans sa famille, il peut avoir une sœur. Quand tu as parlé de parents, père et mère, c'est différent. Mais s'il a une sœur, s'il a des poteaux, il a des assos, aujourd'hui, le suspect, il a ses assos. Ange Freddy a ses assos. Pourquoi est-ce qu'il va partir? D'ailleurs, même le même sexe, ça, c'est un peu bizarre, mais à plus forte raison, le sexe opposé. Tu es là. Pourquoi il ne peut pas te parler à toi? Comme j'ai dit là, il se confie à moi, mais il peut aussi se confier à une autre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Justement, c'est ce que moi je veux savoir. Attendez. Non, attendez. Est-ce que toi-même, tu as déjà supporté ça? C'est-à-dire, ton chéri que tu as là, il avait une amie intime. Est-ce que ça... Mon chéri actuel a pause, une amie attendez, intime. Attendez, c'est maintenant le piment va sortir. Elle dit que ton chéri... Moi aussi, j'ai un ami intime même. Voilà. Moi, mon ami, il n'est plus en Côte d'Ivoire. Pause. Alors, il ne faut pas aller loin. Ton chéri, là, il a actuel. Une amie intime en ce moment. Oui. Et comment ça se passe? Ça se passe super bien, tranquille. Elle joue quel rôle dans le... Faut bien écouter les secours, ils t'ont dit l'autre côté là-bas. Elle joue quel rôle? Quand toi, tu regardes, explique-moi. Quand je vois leur relation... Il se comporte comme sœur et frère. Sœur et frère. Donne-moi un exemple de sœur et frère. Ils sortent souvent. Bon, elle vu qu'elle n'est pas en Côte d'Ivoire, elle est au Ghana. Elle vient souvent en vacances, ils se voient. Sans toi. Toi, tu n'es pas là et puis ils se voient. Souvent avec elle, souvent sans elle. Souvent sans elle. C'est-à-dire, souvent, toi, tu n'es pas là, ils se vont se voir. C'est pareil pour ton ami intime aussi. Vous voyez souvent, ton chéri n'est pas là. Toi aussi, tu as une amie intime. C'est ce qu'elle a dit. C'est une affaire d'intimité. Nous, on n'a pas dit quoi. Donc, tu as une amie intime. Mais là, celle-là, elle va nous expliquer maintenant. Pourquoi? Là, tu es dans le cas. Qu'est-ce que ton ami intime, là, t'apporte de plus que ton chéri? Mais quel vide il comble, en fait? Quel vide de ton chéri comble, ton ami intime, si c'est déjà, vraiment ton ami intime? Déjà, mon ami intime, je le connais depuis très, 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 très longtemps. Je ton l'ai chéri connu même le avant. Trouvé. Oui. Ok. D'accord. Vous donc, la quoi? Relation... Vous faites quoi? C'est quelle intime? En quoi ça consiste? En fait, déjà, je précise, quand on dit ami intime, c'est meilleur ami, n'est-ce pas? Oui! Donc, c'est mon meilleur ami, on se voit, on parle, on cause... C'est meilleur ami de... C'est plus que mes amis, comme moi. Non, tu sais que, attends. On se voit, on cause. Il vient chez moi souvent. C'est comme ton frère. Exactement. Donc, souvent, tu peux faire des choses, tu peux être dans des tenues légères devant lui. Souvent, ça existe. J'aime bien cette question. Ça existe. Pas du tout. Pas du tout. Parce que souvent, quand c'est trop frais, là, sans moi, oh, il regarde, il va arriver. Est-ce que vous connaissez le test du meilleur ami? Vous connaissez le test? Mais non, c'est son meilleur ami, là. Ils t'ont pas réagi quand la nature sort. Est-ce que ça, vous avez été dans une situation où tu as vu qu'il ne réagissait pas? C'est pour ça que j'ai dit amitié d'homme et de femme là. Quand tu mets tes pieds, ça connaît pas. C'est déjà une question de parler. Est-ce que ton... Mais tu mets ça. Est-ce que tu comme ça, tu penses que tu as ton âme de suite. Attendez. Tu vois, c'est normal. Dernière question pour toi. Ton ami intime là, est-ce qu'il t'a déjà dragué? Non. Depuis que vous connaissez... Lui, il veut être ton ami, c'est moi. Est-ce que parce que quand je l'ai connu, c'était l'ami de mon ex, en fait. D'accord. Quand tu l'as... Je sortais avec son ami. Tu habites où même? Attends. Tu habites où? Elle est dans quel entourage? Elle dit que quand son ami intime, quand elle l'a connu, c'était l'ami de son chéri. Non, maintenant... pas quand je l'ai connu, mais l'ami de mon ex. En fait, oui. C'était l'ami de mon ex. Tu as donc ton je l'ai connu, oui, mais à travers mon ex. Vous êtes restés ensemble. Oui. Tu n'as jamais, au grand J, jamais été fan de lui. Jamais. C'est qu'il est fan de toi. Aïe. Non, mais pourquoi vous pensez forcément à ça? Bon, en fait. On va marquer une petite pause, on revient après la pub.
On est de retour sur le plateau de la Réunion. Est-ce qu'étant marié, c'est possible d'avoir un ami intime de l'autre sexe, du sexe opposé? Brezing, tu avais une question pour André? Non, oui. André, vécu, on était venu, on revient sur André. Qui a vécu des André. Difficultés? André, toi, tu t'es rendu compte que ton homme sortait avec sa pseudo meilleure amie, confidente. Tu as dit que tu as confronté l'ago. Déjà, moi, je n'ai pas trop compris. Moi non plus. Pourquoi tu sautes le gars pour aller confronter l'ago? Bon, qu'est-ce que l'ago t'a dit? Elle a dit que l'ago a menti. L'ago a menti, elle dit que ce n'est pas vrai. Mais explique-nous. Non, elle sait quand tu finis là, tu t'en as confronté ton homme maintenant. Non, je n'ai même pas eu le temps même de me non, confronter. Non, comment tu n'as pas eu le temps? Tu es, que... Depuis quand tu es venu ici, tu n'as pas eu le temps. Toi, déjà. Qu'est-ce pour, moi, je pas que tu sautes. Avant même que j'appelle le monsieur même pour lui demander, mm-hmm. elle avait déjà informé. Elle avait déjà informé que tu l'as appelé. Appelé pour lui demander. Et ensuite, lui, il réagit comment maintenant? Il a été la première personne, lui-même, à m'appeler. Ah, juste après, lui, mais t'appelles pour te dévancer. Pour me dévancer, mais pourquoi tu appelles la fille pour, lui? Pour la menacer? C'est-à-dire qu'elle a oui, changé. Les enfants lâchent des... En fait, elle a changé la situation, en fait. Comme si je l'ai appelé, puis je l'ai menacé. Et tu as répondu quoi? Parce que toi, tu as des preuves. Tu avais vu dans son téléphone. Est-ce que tu as fait intervenir ça? Il va sauter des parties. Non, tu as sauté des parties. Moi, même la partie la plus importante, même oui. C'est comment tu as eu confirmation que c'était. Il t'a dit. Elle dit qu'elle a vu dans son téléphone, c'est ça? Non, mais lui-même, il a confirmé. Il a confirmé. Il a confirmé. Il n'avait pas le choix que de confirmer, okay. Puisque j'avais toutes les preuves. Et comment tu as réagi alors, la suite? Tu lui as dit quoi? Bon, tu l'as laissé? La suite, j'ai demandé à ce qu'on se sépare. Ok. Et il a fait intervenir des gens qui m'ont demandé pardon, ceci, par là. Les gens ont trouvé qu'on avait tellement duré ensemble. Combien de que, temps? Bon, c'était peut-être à la cinquième année, ah, quatrième année. Ah ouais. Voilà. Donc, on ne devait pas se séparer pour si peu. Et quelles étaient tes conditions? Mais j'ai demandé à ce que l'amitié s'arrête. Il a accepté? Oui. 10 jours au lendemain, comme ça? Il a accepté, mais au finish, il se voyait en cachette. Ah non. Après, d'amis intimes, là, c'est collé, oh. Vu que c'était ma chérie. Ce n'était plus une question d'amis intimes. Oui. C'est devenu sa chérie. Donc, après, tu as appris qu'il se voyait encore? Non. Mais je dis qu'on est sur... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on se voit, nous tous. Nous sommes dans le même mouvement. Jusqu'à l'heure là où on est là. Voilà. Ils sont ensemble? Non, non, non. Ils sont séparés. Mais je veux savoir, mm-hmm. tu es passé à autre chose? Oui. Ta alors... relation actuelle. Tu as une relation actuelle? D'accord, c'est un peu bizarre, mais c'est ça. C'est un peu elle compliqué, comme d'habitude. Pour nous toutes, c'est compliqué. Elle n'est plus avec le même. Donc, c'est compliqué. Mais celui qui est là ou celui qui est presque là, comment ça se passe? C'est-à-dire que est-ce que là, maintenant, tu es braqué, impossible pour toi d'accepter une amie intime ou bien comment? Ça a été quoi les répercussions? Les répercussions, sont que, c'est que je n'ai plus la confiance totale que j'avais okay. en un homme, en fait. Voilà. En un homme, carrément. Oui. Parce que avant, tant que je n'ai pas vu, je ne crois pas. Mais comme ça t'est arrivé. Voilà. Mais maintenant, j'ai vu que... Moi, avant, je disais que un homme pouvait être fidèle. Mais aujourd'hui, tu ne crois plus. Parce qu'il a démontré aussi qu'il pouvait être fidèle. Mais après, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'homme fidèle. Mais pourquoi vous avez mis oui, tout le monde parce que... Donc, toi, tu trouves que... Non, un homme fidèle. Non, je le dis parce que c'était quelqu'un vraiment de bien. Ouais. Que je pouvais donner même, je peux dire, entre guillemets, le bon Dieu, mais sans confession, comme on le dit. D'accord. Donc, je me suis dit que s'il a pu arriver là, ça veut dire que véritablement, il n'y a pas d'homme. Pardon, tu arrêtes. Voilà. Pardon. Mais. Tu arrêtes, tu arrêtes, tu arrêtes, non. Parce, on ne peut pas se lever. Moi, je ne comprends non, pas. Non, je ne dis pas. Nous, on n'était que... pas vous là-bas. Non, non, vous avez fait non. un mouvement. Après, ça n'a pas marché. On dit, j'ai écouté dans une chanson et ça m'a vraiment plu. On dit, quand une voiture te cogne et puis tu es couché sur la route, c'est une autre voiture qui te prend pour aller à l'hôpital. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Donc laisse-nous être les ambulances quand même. On a un petit élément vidéo, on va se le regarder et on revient. Moi, ma femme, ça, elle a un ami homme. Non, non, qu'il soit alpha comme moi, même si les rêves, c'est... Non, ça ne veut pas aller, c'est pas possible. Par exemple, moi, même là, je suis jaloux. Oui. Par exemple, pas que non. Elle va s'amuser avec un autre homme. Ça ne va pas me déranger.
parce que j'aime ça. Donc si il sort pour aller causer ailleurs là, ça m'arrange. Un garçon et une fille a pas me dit. Peut-être un jour la fille là, elle serait fan de le gars là ou bien c'est le contraire. Moi en tout cas ça me plaît pas. Ça va pas me déranger. Si c'est quelqu'un à qui j'ai confiance, ce monsieur là, si c'est quelqu'un à qui j'ai confiance, ça va pas me déranger. Elle peut avoir son ami de garçon, mais là, c'est même, c'est l'essentiel. Ça me dérange pas. Parce que j'ai confiance en mon mari. Non, ça me dérange pas. Vous avez vu hein, à quel point les avis sont partagés. D'autres disent que c'est possible, d'autres disent que c'est pas possible. Bon, on est là. Raïssa, oui. Toi qui dis que c'est possible et qui tiens, malgré que tu es seule ici, tu n'es pas jalouse quand tu vois ton... Parce que tu m'as dit que ton... effectivement tu vis dans ça. Tu n'es pas jalouse quand tu vois la complicité qu'il y a. Parce que pour être intime, il faut une complicité. Tu sais que souvent, ils rient, ils se caressent, tout ça. Tu vois, tu n'es pas jalouse quand tu vois. Tu vois, tu n'es pas jalouse, ça ne te rend pas jalouse. Bon. Des fois. Je suis un être humain, donc quelquefois, et si. Et comment tu mais je lui dis, en fait. Tu lui dis que quoi? Ça vient un peu. Par exemple, donc s'ils sont trop proches, je dis non, je n'aime pas. D'accord. Quand ils sont... Donc souvent, ils sont trop proches. Non, j'ai pas dit. Elle nous rejoint, elle vient. Tu dis quand ils sont trop proches, tu lui dis que tu n'aimes pas. Mais c'est quoi si. Tu étais censé avoir confiance. Tu étais censé avoir confiance. Moi, confiance quand tu parlais là, elle est partie. C'est où? Si tu as tu peux avoir confiance et être jaloux. Ça, c'est la... Non, la jalousie et la confiance sont différentes. C'est contradictoire. Non, pas du tout. Mais tu es jaloux ou quoi? Le point que ses rapports n'aient plus confiance. Tu as toujours confiance, mais tu es jaloux. Tu prends la confiance. Non. Elle est là, elle est là. La jalousie. Tu as toujours confiance, mais tu es jalouse. Oui. C'est-à-dire que tu sais que rien ne pourra arriver, mais ça te fait mal quand même. Mais quand même, un tout petit peu quand même. Ça te... Mais comment tu es J'espère, pardon, là, mon petit, j'allais faire mal. Tu es dans le piment, et puis tu goûtes le piment, tu dis, piment, et puis tu manges encore, Seigneur. On est arrivé maintenant sur la partie de notre public. On va vous permettre de donner vos avis parce que le gars qui est là-bas, depuis, il y a Raïssa, en fait. Lui qui est là-bas. Depuis son visage, Raïssa. Il a dit, OK, calme-toi, la parole arrive. Ça, c'est la partie, faut dire pour toi, c'est voilà. Maintenant. Que Raïssa a échauffé les esprits. Elle a énervé les esprits. Voilà, franchement, elle a énervé les esprits. Je ne sais pas s'il y a une personne ici qui peut nous dire ce qu'elle pense de l'attitude ou le raisonnement de Raïssa. Est-ce qu'il y a... Il y a une belle dame là-bas. Belle go. Vas-y, parle-nous un peu. Qu'est-ce que tu penses de ce que Raïssa avance? D'accord, merci beaucoup. Bon, moi, je ne peux pas accepter que mon homme ait une meilleure amie comme confidente. Pourquoi? Parce qu'on dit, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas ça à ton ami. Ils vont faire leur amitié devant toi. Leur intimité. Ouais, leur intimité, ça va t'énerver. Un peu ce moment, il vient, ma confidente, elle est comme ça, ça devient chiant. C'est énervant même. Donc moi, je ne peux pas accepter. Tu es jalouse, c'est ça, tu es la jalouse. Raïssa, Raïssa est jalouse, mais un tout petit peu, dit-elle. Est-ce qu'on a une autre personne qui veut donner son avis? C'est très vaillant. D'accord, bonjour. Bonjour, la ravissante Boys Eagle. Eh? Bonjour. Eh? Yeah. Sur ce plateau-là, on aura bonjour encore au président du syndicat. Bonjour au président du syndicat. Sois salué. Voilà. De moi, je voulais réagir sur la réaction de Raïssa. Okay. Ce qui fatigue Raïssa, c'est le choc de culture. Comment ça? Il y a comme l'impression que... Le choc de culture. Non, Prédit, c'est ça. Il y a comme l'impression que ce que les Blancs font là-bas, les histoires d'amis intimes, là, elle veut prendre ça pour vous, elle veut copier ça. On en Afrique, ça n'y a pas amis intimes. Parce que quand tu parles d'intimité, là, c'est lourd, hein? C'est clair, c'est lourd. L'intimité, là, c'est entre mari et femme. Toi, t'as vu pour l'intimité, t'as pas dit, mais ça dit ami intime. Non, c'est qu'il y a quelque si chose. Il est ton ami intime, c'est qu'il voit les choses intimes ou bien il sait les choses intimes que ton mari sait. C'est la vérité. Ah, honnêtement, là, non, je pense pas que. Moi, si c'est dans mon cas, chose, hein. Ma femme me dit qu'elle est un meilleur ami parce que affaire d'amour, là, c'est sérieux. Il appelle le gars tranquillement, ça soit dit quoi de voir. Moi, tu t'amuses avec ma femme, on se laisse. Applaudissements pour vous. Non, notre frère a tout.
nous dit, je vais prendre un dernier avis. Est-ce qu'il y a une personne qui peut nous donner un avis? Ça peut ne pas être Raïssa, hein, mais c'est vrai que Raïssa a piqué. Il y a quelqu'un qui peut parler ou qui veut parler? Oui, on a changé là. D'accord. Bonsoir bon, à tout le monde ici. Bonsoir. Moi, je vais pencher mon propos envers Raïssa. Raïssa? Oui. Ah, Raïssa, elle est fâchée. Tellement il est en colère. L'eau qui sait que tu as en train de porter, faut pas essayer de te jouer les champions. Sinon, là, vraiment, tu as senti ça. Parce que ici. Tu n'es pas d'accord avec elle alors? Non, je ne peux même pas être d'accord. Ici, là, mon corps me pique. On ne connaît pas papa des chiens. Et qu'est-ce que tu nous dis par là? Ce qu'il veut dire là, si la question d'intimité, là, ça doit se passer entre elle et moi. Entre ma chérie et moi. Il faut mais à faire où on partit chercher les gens du quartier pour venir mettre dedans? Non, voilà, ça ne veut pas dire. Applaudissements. Merci. Merci de vos avis, merci d'avoir donné vos avis. Bon, Raïssa, vraiment, tu es seule sur ce plateau-là. Vraiment. A dit que c'est possible, mais vraiment, moi, j'aime, tu es perspicace. Toi, tu dis que c'est ça, tu as confiance, puisque toi-même, tu vis ça, tu es un ami intime. Et l'ami intime, il t'a jamais dit que votre intimité là gêne sa femme là-bas. Il t'a jamais dit ça. Non. Sa femme aussi est dedans. Elle comprend même pas. Elle comprend pas français. Ah, il y a tout ça aussi là. Peut-être ça. Le jeu là, découvert, de frapper. Tu vois un peu. On va prendre maintenant un dernier tour de table parce que les avions étaient très intelligents. Le grand Freddy, déjà merci pour ta présence sur notre plateau. Je pense que, étant marié, je pense que tu es dans. Tu vis la chose. Mm-hmm. Est-ce que tu as un mot de fin? Est-ce que tu as une conclusion par rapport à ce sujet-là? Bon, moi déjà, merci de m'avoir invité. Mm-hmm. Parce que voilà, mm-hmm. tu as fait les attaques, tout ça, tu as vu. C'est bon, mais c'est un Freddy quand même. Voilà, donc comme mot de fin, je peux dire que... Enfin, je reviens encore sur mes premières phrases. Mm-hmm. C'est pas normal qu'un homme... Bien, que dans une relation sérieuse, on est comme ami intime d'une autre personne de sexe opposé que son partenaire. Voilà. Après, ça peut arriver dans la mesure où il y a le manque de confiance qui te pousse à aller parler à quelqu'un d'autre. Dans la mesure aussi où tu ne parles pas avec quelqu'un de ta famille parce que tu as plus confiance en quelqu'un qui n'est même pas de ta famille qu'en tes membre de ta famille. De ta famille. Donc, ça peut être... Ça peut arriver. Mais comme j'ai dit là, c'est 2%. C'est 2%. Ok, ovation pour Freddy. Ovation pour Freddy. Il a été clair. Il dit que lui, c'est pas normal, mais bon, il y a 2% quand même qui peuvent passer. Ouais, ça peut... André, toi qui as vécu cette situation malheureuse, qu'est-ce que tu peux dire directement là à je pense que c'est Raïssa, hein, tu as parlé aux gens qui sont d'avis contraire, mais Raïssa, c'est leur ambassadeur qui est là. Donc, qu'est-ce que tu peux lui dire? Tu es fière. Ouais, je sens que tu es fière vraiment dans ton intimité. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Ce que je peux dire à Raïssa, mm-hmm. c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle. Ni la prudence. Voilà. C'est-à-dire que c'est vrai. C'est parce que tu n'as pas vraiment confiance qu'on ne peut pas accepter cette situation. Avoir son mari ou son fiancé, avoir meilleur ami. Femme. D'accord. Voilà. Parce qu'on se dit, à n'importe quel moment, la situation peut changer. C'est-à-dire que d'amitié, ça peut passer à une relation amoureuse. Surtout qu'ils sont déjà intimes. Voilà. Donc, même s'il arrive que tu acceptes que ton fiancé est pour meilleur ami le sexe opposé, quand même, pour avoir un regard très sur cette relation. Il faut surveiller. Voilà, il faut surveiller de près. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des histoires. Voilà. Mais même dans le calme, tu peux surveiller. Il y a des gestes qu'il faut vraiment regarder. D'accord. Pour ne pas être vraiment surveillé. C'est bien dit. Ça, surveiller, c'est très bien dit. Raïssa, vraiment, j'ai envie de te donner le mot de fin de ce tour de table mm-hmm. avant que moi et Brazing, on parle un peu. Tu as écouté les conseils un peu d'André qui disent que la confiance n'exclut pas la prudence, mais apparemment, toi, tu n'as pas besoin de prudence. Quel est ton mot de fin? D'abord, j'aimerais lui dire merci pour ses conseils. Au moins? Oui. Même si tu n'as pas écouté? Pourquoi pas? Ok, d'accord. Dis-nous alors. Dis-nous. Parce que c'est vrai, la raison quand même. Il faut quand même se méfier, on ne sait jamais. D'accord. Donc, je lui dis merci. Ah. Mais
Non, c'est bien dit, c'est bien dit. C'est bien dit. Au moins, elle est flexible. Non, mais c'est vrai. Mais quand même, n'ayez pas peur. Ça, c'est un conseil pour tout le monde. N'ayez pas peur. Down. On ne prend pas. N'ayez pas peur. Pourquoi tu ne prends pas? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. L'habit intime. Non, de l'habit intime de votre partenaire. Parce que ça peut, c'est pas obligé que ça déraille. Chacun connaît son partenaire, mon cher. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est d'accord. Ça. Donc, ovation pour Aïssa. Ovation pour Aïssa. Brazing, parce que tu as le mot de fin hein, de cette non, table, je de pense ce tour de mon, table. Mon avis n'a pas changé, mais je ne vais pas pour autant condamner Raïssa, parce que chaque relation est différente. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne avec ton homme, mais comme elle a dit, il faut quand même être sur tes gardes, parce que c'est des petites choses qui peuvent rendre la relation compliquée, donc il faut faire très attention. Voilà, d'accord. C'est très bien dit. Moi, ce que je peux dire. Non, pas Raïssa, à tout le monde. Tu vois, parce que tu es seul ici, mais je sais que tu es un quartier où tu habites, où tout le monde réfléchit, comme toi, comme tu développes. Donc, c'est à tout le monde que je vais m'adresser. La confiance n'exclut pas la prudence. C'est vrai que tu peux permettre à ton partenaire d'avoir, dans ton cas, son ami intime, mais il faut regarder parce que les choses, on ne sait jamais, ça peut changer. Merci d'avoir été avec nous. C'était La Réunion. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.